behind all of these activities. Therefore, we have sent out Marco and Alexandra in order to find out what's going on in the field. Hey Mona! Hi Mona! We are in Cannes with Margot, interviewing people on the street. We're trying to find out what people think about CoteD'AzurTourism.com website. We're gonna give you some recommendations and show you right now the interviews. Bonjour, est-ce que vous connaissez, vous qui travaillez à l'Office du Tourisme d'Antibes, est-ce que vous connaissez le site Côte d'Azur Tourisme? Oui, c'est le site sur Dessert, sur lequel on renseigne régulièrement nos clients quand ils veulent avoir des renseignements plus larges que Antibes sur la région. L'hébergement, par exemple, beaucoup de demandes de renseignements sur l'hébergement sur la région par email, on les renvoie directement sur le site du CRT pour se renseigner. Sinon, on a les brochures du CRT aussi, justement, qu'on diffuse ici. Ils sont, je pense, également téléchargeables sur le site. Donc, vous nous disiez avant qu'en fait, les clients, en général, ils voulaient renseigner ici et vous les renvoyez après vers le site. Mais ils ne connaissent pas. En général, non. Parce que souvent, ils cherchent, alors s'ils cherchent sur Internet, je pense qu'ils tapent sur Google soit la ville où ils veulent aller, soit très globalement Côte d'Azur ou Alpes-Maritimes. Et c'est vrai qu'après, c'est pas très clair, ouais. On ne sait pas quoi choisir, même si le site il apparaît. Mais je pense, avant de cliquer forcément sur un des sites qui apparaît, tandis que si nous on leur dit, bon là, vous allez là, en plus souvent on peut leur expliquer vraiment quelle est la rubrique qui les intéresse, etc. Je pense que c'est plus facile. Donc bonjour les filles, juste pour savoir, est-ce que vous connaissez le site Côte d'Azur Tourisme? Non. Du tout? Jamais entendu parler? Non, jamais. Ok, merci. Donc bonjour, bonjour. Vous travaillez à l'Office du Tourisme de Cannes. Absolument. On avait une petite question à vous poser, si vous connaissiez le site CRT, le site du CRT, CoteD'AzurTourisme.com. Oui, absolument. Et est-ce que vous l'utilisez à l'Office du Tourisme? Alors nous, on ne s'en sert pas énormément, étant donné qu'on a beaucoup de brochures apparentées au site. C'est vrai que nous, on touche beaucoup la clientèle, directement le public, et ce qu'ils ont besoin réellement, c'est des supports papier. Voilà ce qui est sur le site, tout est apporté grosso modo sur les supports papier, donc c'est pas un site qu'on utilise réellement. Et vous ne redirigez pas les touristes du tout sur le site finalement? Pas nécessairement, étant donné que vraiment le gros des informations, on l'a déjà en support papier, ouais, donc pas tellement. D'accord. Et est-ce que le CRT vous a contacté pour vous informer l'arrivée du nouveau site ou vous avez eu les infos? Pas que je sache. C'est possible après qu'un mail soit passé, qu'il soit passé entre les mailles du filet, mais ça me dit pas grand-chose. Ok. Est-ce que vous l'utilisez à titre personnel? Pas plus, non, pas spécialement. Nous, on a en plus à titre personnel, on a les informations, sur place. Même chose à disposition. So as a feedback, we found out that people don't really know about this website and that there could be a lack of communication between Côte d'Azur Tourism Office and stakeholders. There is as well a hard transition between the older website called Guide Riviera and the new website. But a very good point for the website is people seem to be very interesting when we show them the website and they found it very useful, so they said they are going to use it from now. Great website, a plan and strategy behind all of these activities. However, there's a lack of communication with the stakeholders. But what do the hotels think about this? This website provides a complete list of hotels in the area, so of course we've part of it. To us it's quite a clear website with all the information people can need, which means pictures of the hotel, information about the rooms, but also direct contact by phone, by email, by fax or our website. French Riviera website also provides booking facilities. Thanks to their partnership with France Guide. France Guide is the national booking service in France. When you go to France Guide to book our hotel, you have to go to booking.com, which costs us almost 15% commission. It's not a really good thing for us because when you book through our direct website, it only costs 2%. In a world, we don't have much contact with French Riviera website.
For example, in their website, they offer special rates for some hotels. And I've tried to do the same, but I haven't found any contact box or any links with, if you are an hotel, just come and talk with her to add an offer or anything like that. The only office I'm in contact with is the office of Villeneuve-Loubet. And I'm not even sure there are many contacts with French Riviera Global Tourism Office, because when I update something for Villeneuve-Loubet, it doesn't come up to French Riviera and to the website of French Riviera. However, a good way to contact them and to communicate through this office is to use their Facebook and Twitter account. The hotel also has a Facebook page and a Twitter account. When we have information, for example, special offers or news concerning the hotel, we put them on their page, on the fan page of French Riviera or on their Twitter. And we are sure this way that the people who read it are people really interested in French Riviera and who want to come, who already came. There are qualified contacts and it's an easy way to communicate and at a low cost. So, we can conclude that their web marketing activities are optimal. However, there are some issues that need to be tackled. Here comes our recommendations in order to improve the activities and reach the top. Destination unknown. Destination unknown. Follow me and let's go. Destination unknown. Follow me and let's go. Destination unknown. Thank you and see you online. And let's go. To the place where we belong and leave our troubles.